Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chef Winner, votre chaîne du partage de la passion cinéma et de la pop culture pour le deuxième épisode du Let's Play de Project Zero, la prêtresse des zones Weir. Si vous entendez des bruits chelous, ce n'est pas le jeu, c'est les voisins. Chapitre 1, Trace éphémère, Yuli Kozukata. Je vais reprendre où là? Je vais pas tout me retaper. On va voir. Des chiffrages des ombres. Parmi les habitants des villages situés au pied du mont Ikami, une certaine capacité unique a été transmise à travers les âges. Cette capacité, appelée des chiffrages des ombres, permet à son utilisateur de voir l'ombre ou la trace d'une personne perdue dans des circonstances étranges. C'est assez similaire à la psychométrie de plate ailleurs. Yuli, que tu as qu'un accompagné. Une femme capable de déchiffrer les ombres, je ne vais pas trop se bouillir. Oh putain, mais merde. Ça se trouve, cette séquence, vous l'entendrez pas parce que je me retape tout là. Sentant que Yuli pourrait elle aussi devenir douée en déchiffrage des ombres sous une tutelle convenable, Hisoka l'emmène en mission sous une tutelle convenable. Ah ouais, je me retape tout. Ok. T'as pas de sauvegarde? Ben, j'ai pas dû sauvegarder ou j'ai dû oublier de sauvegarder hier soir. Je sais pas. Eh bien. Belle un carré. Elle se gratte le. Ah non, j'ai eu peur. Mais elle a un calé. Elle a un carré. Mais je vais porter plainte moi à ce niveau-là. Elle a un carré. Mais. Ah, j'ai même pas eu le temps de le lire. Ah si, c'est ça. Bienvenue dans le monde mode instantané. Ici, vous pouvez positionner les personnages et les esprits à votre guise pour prendre la photo parfaite. Vous pouvez contrôler la caméra pour choisir l'objectif et le cadre, ou contrôler les personnages pour les positionner, etc. Une fois que tout est prêt, masquez le menu et prenez les photos. Ouais, en gros, c'est prendre... C'est un mode photo, hein. Laquelle? Les deux? Bah, franchement... petit short, tout ça... Oh! Trophée! Cadeau! Bon, d'accord. T'as déjà mal? Ah non. Ah, pourquoi ça vibrait? Il y a quand même une ambiance hein, dans ce jeu-là. Hein? C'était quoi ça? Ombre qui vous observe. D'accord. J'ai peur. Si, si. C'est dans la continuité de tout à l'heure, de ce que je faisais là. Ah, mais tu t'en rappelles pas tout. Non, j'ai pas l'impression. Coucou. Attends. C'était quoi le tuto déjà? Si j'aligne plusieurs cercles, je peux faire des choses. Putain de merde, ça s'amuse hein, chez les voisins. Excusez-nous, on vous fait vraiment partager. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est toi. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, main dans l'eau. Wow. T'as dit quoi? Ah oui, t'as vu, il bouge en marchant. Oh putain. Alors,
Allez, reprends la main. Alors, là, on sort l'appareil, hein. On va essayer de voir si notre copain est pas loin. Bon, on va pas trop s'éloigner de ce qui a été fait lors de la vidéo précédente, je pense. Mais comme on a loupé certaines choses, on n'est jamais assez prudent. Donc on explore. T'es là ? Voilà, t'es pas là, t'es là. Cet environnement, ce jeu, moi, il me remplacera. Là, non, non, d'accord. Bon, et je pense qu'on va continuer tranquillement. Yuri, matte. Ah, oui. Kehai o kanjiru wa. Maintenez ardeur foncée pour trouver la voie à suivre. Oh, je vois des ombres blanches. Cherchez pas. Je suis en train de me canaliser, de me déstresser là. Non, j'avoue que la dernière fois, on avait pu pas mal de choses. Donc là, la vigilance est de mise. Un item brille à l'horizon. À tout moment, je m'attends à ce qu'il y ait un truc qui surgisse pour que pour me sauter à la figure ou quoi que ce soit. Ah, c'était quoi ça? Non. Et la petite poussière là, c'est bon. Je sais que je suis dans un hôtel abandonné, mais quand même. Ou auberge, je sais plus. Maintenez R2 et reclinez L pour suivre la trace. Maintenez R2 enfoncé pour ramasser les objets. Je ramasse cet objet. Ah, bon, ouais. Un vieux livre poussiéreux a été laissé dans le couloir. Peut-être que quelqu'un l'a laissé tomber. Je vous en ai fait la lecture dans l'épisode précédent, donc je pense qu'on va zapper ce moment-là. Hein. Voilà, le déclin de mon Camille, blablabla, 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 bam. Voilà, fermé. Fermé, merci. Ah! Tiens! T'es vu, toi, cette fois! Tu m'auras pas pris! Par surprise, non, je n'ai pas dit ça. Non. Je reste concentré sur le jeu. Tu es un être de pureté, Vincent. Hé, monsieur! Je t'ai loupé la dernière fois, mais lâchez! Pas eu. Était-ce une vision du passé? Tutoriel écho du passé. Dans les endroits où les traces du passé sont très marquées, il se peut que vous voyez des échos du passé. Photographiez-les pour gagner des points de photo qui pourront être utilisés pour améliorer les caméras obscura. Comme elle a obscura. Ça fait bien l'accent. Comme elle a obscura. Je fais des blagues parce que je suis pas serein. Appuyez sur rond pour ramper jusqu'à l'autre côté. Ce beau plan de caméra sur son... Eh, vous saviez que le jeu, il avait été censuré, et du moins sur Wii U, et là, dans cette nouvelle mouture, il a été dé... D'accord. Il a été décensuré. La porte est verrouillée. Oh putain, ce... Ce mouvement de... Tutoriel photopsychique. Quand vous regardez autour de vous avec la caméra obscura, vous la verrez réagir à certains éléments qui ne seront pas visibles normalement. Qui ne sont pas visibles normalement. Verrouillez-les, photographiez-les afin de révéler des endroits ou des objets avec lesquels ils ont un lien. Oups, pardon. Trouvez les endroits à partir de photos et vous y découvrirez peut-être aussi des indices. Appuyez sur triangle pour activer le mode photo. Non, Fandek, je fais ça depuis tout à l'heure. Maintenez L2 enfoncé pour verrouiller le carré et puis prenez une photo en appuyant sur R2. Piclac. Tchac. J'avoue, je suis un peu loin la détente. Il y a quelque chose sur la photo. De la lumière jaillit d'une armoire et il y a une poupée sur le dessus d'une commode. C'est peut-être là que se trouve la clé. Trouvez l'endroit représenté sur la photo, il se trouve quelque part dans ce bâtiment. Pour afficher la photo à nouveau, ouvrez le menu principal et allez dans la section souvenirs, dans la catégorie objets, archives. Ah là 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 là.
s'était quitté sur ce point-là la dernière fois, donc on va bien voir ce que nous réserve la suite de cette aventure d'horreur magnifique. Comment ne pas être... Ah ! Non ! Je t'ai eu ! Je t'ai pas eu ! Ah ! Dois donc ! Ah ! Non ! Reviens ! Bon ben on va ouvrir la porte. Ouvrir. J'ouvre la porte. Et je tombe nez avec une putain de poupée. S'il vous plaît. Hein. Je commence à comprendre un petit peu le truc là. Quand il y a ce petit truc là, ça veut dire qu'il y a... Il y a des trucs pas loin, mais là je comprends pas pourquoi ça fait ça. Là, là, où ça? Toi, non, toi, je te veux pas, hein? The Grudge Doll, là, on t'oublie. Ok. Bon, mais on va aller à l'intérieur, hein? Maintenant, R2, enfoncé pour ramasser des objets. Là, le sentiment, ça rend pas serein. La main, ça avance tout lentement quand même. Clé sur porte-clé rouge. Elle ouvre peut-être la porte de tout à l'heure. Retournez auprès d'Hisoka. D'accord, super. Merci, je suis joie. Surtout qu'excusez-moi, mais la m'appelle. Oh. Vilain. Gredin. Ah, ben je t'ai pas eu. Doigt dans le... Oui, bonsoir. Non mais je sais pas vous, mais le folklore japonais, moi je le trouve... Ah là là, examinez. J'aperçois de la terre de l'autre côté des planches. Les murs et le plafond sont déformés et craquent. Le bâtiment tout entier doit être enseveli. Ah ! Oh putain ! C'est l'éclairage qui m'a fait peur. Quelqu'un? Esprit, êtes-vous là? Bon, ben, on s'accroupit à nouveau. Le plan sur le shorty, quand même. On se demande s'ils auraient pas pu s'en passer. Alors, tu vois, j'ai ta petite clé. Là où tu m'as laissé comme une grosse... cochonne. Vous avez ouvert la porte avec la clé de la porte-clé rouge. Au porte-clé rouge. C'est à moi de faire tout le boulot. Merci. Oh, il y a quelque chose là. Tutoriel révélation spectrale. La caméra psychographe des objets qui sont normalement invisibles aux yeux des vivants. Vous pouvez faire revenir ces objets dans ce monde en photographie dans l'endroit où ils ont été pris avec le bon angle et dans la bonne position. Bien direction. Maintenant, elle est enfoncée, faites voter le viseur avec L1 puis R2 pour faire revenir l'objet. Sauf que moi, là, je suis avec la manette gyroscopique. Enfin, du moins, c'est un capteur de mouvement, donc c'est un petit peu galère sur les bords. Attends que je comprends le truc. Ah, là, ça fait bip bip. Ah, là. Feu. Yeah, come on. Ça, c'est le talent. C'est quand même intriguant. Il y a une atmosphère stressante, mais il est intriguant aussi, en même temps, tu trouves pas? C'est que t'es en vocal? Non, j'ai coupé. Ah merde! Kore ga irai no mono no yo ne. Yoru ni naru mae ni kaerimashou. あまりいい場所じゃない。Quitter l'auberge abandonnée avec Hisoka. Parce que c'est une auberge abandonnée, ça.
Eh putain, moi j'en connais. Je vais pas faire de jeu de mots ou de référence. La porte vient de se fermer toute seule. Mais ils sont trop forts dans le jeu. Porte automatique. Allez! Encore. T'es bu! Mais j'ai pas été assez rapide. Ah, oh, fais chier. Mais du coup, j'ai peur d'y aller là. Tu crois que ça se rouvre? Yuri, oui, c'est moi. その名の通り、対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は、追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。Du coup, là, en fait, elle est en train de me dire de pas y aller. Mais la curiosité est un très vilain défaut. Mais comme je sais pas comment ça sauvegarde dans ce jeu... Non, c'est pas ça, juste... Paramètres... Il y a eu une petite sauvegarde tout à l'heure. Bon. La porte se ferme. Moi, j'y vais comme un gros maso. Ah, la poupée, quoi. Bon. Oh, la pute! Mais c'est une super saïenne. Elle était derrière toi et maintenant elle est devant toi. Ouais, c'est ça. C'est Goku, elle peut se téléporter, la fille. Attends. Toi, tu vas trop vite. Toi, tu vas me poser un lapin. Je vais me retrouver tout seul dans cette auberge à la con. Et je vais me faire caca dessus. On ne devait pas sortir, pourquoi tu vas là-dessous? Je t'ai vu, vilain. Vilain coquin. Ah ouais, il était là, t'as... Ça y en est. Les esprits essaieront de vous attaquer ou de vous attraper. Non, non, lâche-moi, vilain. Si un esprit vous attrape, contre un photographiant R2. Ok, tiens. Eh, c'est... L'esprit a reculé lorsque vous l'avez photographié. Peut-être qu'en prenant plus de photos, il sera conjuré pour de bons tutoriels combattre les esprits. Photographier le point faible d'un esprit rond pour lui infliger des dégâts. La zone de capture, le rectangle au centre de l'écran, constitue votre zone d'attaque. Vous ne pouvez pas prendre de photos sans film. Appuyez sur triangle pour activer votre auto. Oh putain, c'est vrai que moi je suis à la manette. Alors assurez-vous que le triangle soit au centre du carré, puis maintenez... Non, que le carré soit au centre de l'écran, puis maintenez le doigt foncé pour verrouiller la cible. Ok, on essaye. On va tenter. Et c'est pas évident. Non, dans ce sens-là. Arrête de bouger, s'il te plaît, purée. Sois compatissant. Sois un gentil esprit. Sois pas un esprit vengeur. Sois un gentil esprit copain. Voilà, on est à la tête de Mickey. Bon, allez, non, c'est toujours pas ça.
Je vais y arriver, voilà, ce bordel là, 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 là. Pas bouger, pas bouger, pas bouger, là, pas bouger. Ah, disparu. Ah, t'es là. Ah non, non, non plus. Non, 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 encore. Oh putain de merde, c'est quoi ce système de jeu de merde? Là, 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 j'étais, là, 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 j'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Oh putain, non mais. Oh, oh, putain, faut. Oh, oh, la gerbounette là que ça donne. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Patience, 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 patience. Déjà, là, je t'ai eu normalement. Non, même pas. Non, mais s'il te plaît, oh. Là. Toujours. Mais pourtant, l'écran il est tout rouge, ça doit faire. Tu vas arrêter de te téléporter, s'il te plaît. Tu vas être coopératif. Là, là, là. Là, on y. Pas. Non mais là toujours pas. Pourtant il y a les différents petits bulles, comment expliquer au début du jeu tout ça. Non, ça y fait rien. Mais allez. Oh non mais s'il te plaît. Mais pourquoi ça marche pas? Et tu repars. Là je t'ai eu. Là je t'ai. Toujours pas eu. Ah putain de bordel de merde. Vous sentez ce que ça sent venir? Vous sentez ce que ça sent venir? Laisse-toi faire, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Putain. Même dans le jeu, c'est trop de connexion. Oh là 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 là. Bon 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 bon. Ça va passer. En vitesse rapide. Hop hop hop. Attendez. Là c'est juste imbuvable machin. Attendez. Mode de fonctionnement classique, sectionné, tout ça, tout ça, tout ça. Non, c'est pas ça. Mode de recherche. Là, commande de la caméra. Utilisez seulement R pour orienter la caméra en mode photo. Je pense que ça, ça va me soulager la vie. On va voir de quoi il en retourne. Alors toi, viens par ici et laisse-toi être verrouillé. Là, maintenant, fais le reset à la caméra. Là, je fais ça. Là, là, bouge pas, là, maintenant. Oh, appuyez sur un double pour vous filmer, photographier, quand vous recherchez la zone de capture disparaît, vous ne pouvez pas filmer presque la zone de capture et l'appareil. Mais c'est ce que je vous ai jusqu'à tout à l'heure. Vous me jetez la photographie, attaquez un esprit. Parfois, tu pourrais demander un fragment lorsque vous appuyez des dégâts à un esprit. Tutoriel, fragment d'esprit. Des fragments d'esprit se détachent d'esprit lorsqu'ils subissent des dégâts et sont réabsorbés au bout d'un certain temps. Vous pourrez empêcher leur réabsorption, photographier les fragments. Tutoriel cible et instant fatal. Lorsque 5 cibles ou plus sont encadrées, photographier les esprits les fera reculer. La zone de capture deviendra rouge lors de l'instant fatal. Appuyez pas bazooka. Appuyez sur R2 pour utiliser le film et photographier, attaquer un esprit. Mais dans ta gueule. Allez, une fois que 5 cibles ou plus sont visées, prenez un cliché pour un instant fatal. Là, là, ah, j'étais presque là. Bon. Non, pas encore. Là, 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 là. C'est quand c'est rouge, quand c'est rouge, quand c'est rouge. Là, feu. Non. Vous pouvez être attaqué par filmant spirituel et marque rouge sur le côté de l'écran. Tutoriel, cliché fatal et moment fatal. Quand la zone de capture clignote en rouge, car un esprit attaque, prenez un cliché fatal. Il faut capturer l'esprit en pleine attaque. Donc ça veut dire que maintenant, enfin, ils vont attaquer parce que jusque-là, ils étaient. Les clichés fatals déclenchent un moment fatal durant lequel vous pouvez prendre plusieurs photos à la suite sans chute de film. Ok, c'est un mode rafale. Les clichés fatals sont très utiles lorsque les esprits sont prêts pour déclencher un instant fatal. Allez, allez, allez. Hop, hop. Hé, petit pote. No, no, no. Ah, je me suis fait attraper. Je me suis loupé. Non. Non, 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 pas de French kiss. Non, non, non. Oh, je peux pas.
Non, je peux pas. Attirer l'attention de l'esprit, attendez qu'il attaque. Mais, excusez-moi, avec une... Non, je vais pas faire ça. Photographie ardeur d'un esprit pendant que vous attaquez. Les... Là! Là! Là, je t'ai eu! Toi dans le... Eh ben... Ah, je l'ai presque. Ah, il est là. Tutoriel portée et puissance d'attaque. La caméra obscure n'a d'effet que sur les esprits qui sont à sa portée. Les esprits sont trop éloignés, ne recevront aucun dégât. Trop éloignés, ne recevront aucun dégât. Eh ben... Plus la cible haut est grande, plus la caméra obscure lui infligera des dégâts. Ah d'accord, ok. Ça marche. Rapprochez-vous des esprits pour prendre des clichés plus puissants. Le sans deck. Je vais utiliser la caméra obscure pour bannir les esprits. Tu vas retourner dans les tréfonds de l'enfer. Subis ma colère. Et un petit instant d'abord. Non, c'est pas assez rouge. Non. Ah. Putain de merde. L'angoisse, c'est mon premier boss. Oh, tiens, dans le rouge! Comme on content. Non, j'ai rien dit! Allez, photo! T'es où? T'es où? Là? Non. Dis-moi, où t'es? Où es-tu, Charlie? Hé oh, copain. Oula, y'a des mains! Non. Pas envie. T'es où? Ah! Te revoilà! Ferizette, rouge, j'aime quand c'est bon. Hein? Quoi? Non. Ok. N'empêche que c'est long. あの先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。
doute en apprenant à déchiffrer les ombres auprès d'Hisoka, Yuri se sert de ses capacités pour récupérer un album de photographie funéraire dans une auberge en ruine sur le mont Ikami. La personne qui a demandé cet album est un dénommé Len Osho. Se réveillant après un cauchemar, Ren est rongé par l'incertitude. Était-ce vraiment un rêve ou bien un souvenir d'enfance réprimé? Cette question le taraude depuis quelque temps. Oh, Rambé, ça va, ça pourrait être pire. 25 minutes de temps, ah oui, quand même. Point gagné, ok, ok. Herbe médicinale, possédée, total. Ah, on peut utiliser ce genre de truc? Ah, d'accord, ok, peut-être, je sais pas du tout. Rambé pour les débuts sur Project Zero. Oh, c'est pas si dégueu que ça, hein. Bon, moi, je vous propose qu'on s'arrête ici pour cette seconde vidéo. Je crains qu'il y ait quelques couacs au niveau sonore. On va bien voir ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous amuse. Nous, on s'amuse beaucoup, là. C'est mon premier. Il est stressant, angoissant. Enfin, ouais, mais franchement, je suis en train de me prendre au jeu. J'ai vraiment envie de connaître la suite des aventures de nos personnages. Donc oui, je compte sur vous pour liker, partager, commenter, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à tout bientôt, très très bientôt, pour la suite de ce jeu. Vador. À la prochaine. À la prochaine, oui, c'est vrai, à la prochaine.